Et bonjour à toutes et à tous, c'est Nathendo et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Legend of Zelda The Wind Waker HD. J'espère que vous allez bien. Nous allons nous rendre vers Mercantile, c'est par là-bas. Heureusement que la flèche m'indique la direction du vent, qui était la direction dans laquelle je devais aller. Nous devons trouver Jabu avant les pirates qui sont encore en train de dormir sur Mercantile, normalement. Mais voilà, notre cité de l'île de l'Aurore, donc, a l'air d'être en piteux état. Oula, il a sauté où le poisson, là? Pimpalin. Ok, donc je m'étais arrêté peut-être un peu tôt. Mais pas tant que ça. On n'est pas loin. Nous arrivons. Est-ce qu'on peut aller nourrir le poisson? Non. On arrive direct ici sans rien. Tu as remarqué, Link? Depuis que nous avons abordé l'île du poisson infesté de monstres, c'est comme si le temps s'était arrêté. Le jour ne se lève plus. Est-ce la malédiction dont parlait Valou? En tout cas, si le jour ne se lève pas, nous n'avons pas à craindre que les pirates nous précèdent. Il y a bien longtemps que tu n'es pas rentré sur ton île. Tu pourrais peut-être en profiter pour aller embrasser tes proches. Nous pourrons partir après à la recherche de Jabu. Ils attendent que la nuit... que le soleil se lève. Ils sont pas prêts, en effet, de venir. Tatala, mamie. Mamie. Pourquoi il y a des rubis ici maintenant? Il n'y avait pas de rubis avant. Hop. C'est un petit rubis. On va aller voir notre mamie. Notre gentille grand-mère. Oh, tu es là, Link. Mamie. Ouh, Link, Ariel. Ne partez plus. Ne laissez plus votre bébé toute seule. Ouh. Mais je suis là. Mamie. La la la. Aïe. C'était très l'éternuement. Alors. Hop. On a salué les proches. Il y a des petits cochons. Ok. Mais je dois aller où du coup? Parce que j'ai dit bonjour à mes proches, mais... C'est tout à peu près. C'est à peu près tout. On peut se barrer. Mais pourquoi il y a les monstres là? Pourquoi il y a les monstres? Pas censé y avoir de monstres ici. C'est scandaleux. Tatala. Pourquoi tu bailles toi? C'est bon, si tu es prêt, nous pouvons partir à la recherche de la caverne de Jabu derrière l'île. Bah oui. Évidemment qu'on va aller derrière l'île. D'abord, on va aller peut-être nourrir petit poisson. S'il veut bien. Petit poisson. Alors j'arrive quand même un peu à avancer. Attendez, yop. Où sont mes graines? J'ai plus les graines là. Non, là, voilà. Hop. Tintalin. Peut-être te dire où est la caverne. Salut petit gars. Je t'écoute, je suppose que tu veux que je complète ta carte, que je donne des infos sur les environs. Alors déplie ta carte. Déplions la carte. Et hop. Ah bah vous la voyez là, c'est cool. C'est ça qui est sur le gamepad H24. J'ai entendu dire que sous un gros rocher situé en haut de l'île de l'Or, il y avait un trésor fabuleux. Me semblait que c'était la tribosse d'or, mais il paraît que j'ai mal entendu que c'est de la triforce qu'il s'agit. Ou d'un morceau de la triforce, un truc comme ça. J'étais pas loin quand même. Tribosse, triforce, c'est pareil. C'est tout pour les infos. Si tu veux que je répète, donne-moi encore à manger. Il y a un mec, j'ai la mémoire qui flanche. Adios. Putain, il y a la triforce là-bas. Ça me surprend. On va vite se débarrasser des graines avant de... On va pas y être dessus si on est sûr que... Tin, ta 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 ta. Il est très fort en haut, à l'île de l'Aurore, très bien. Je note ça dans un coin de ma tête.
Ta ta ta. Rubis violet. Ah bah merde, j'ai plus de rubis. T'es où, Terry? Terry. Flûte. J'ai perdu 50 rubis. Est-ce que j'aurais pu acheter des trucs là? Ah. Non, d'accord, je veux pas. Boum. Hop, on casse ça. Tin, 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 tin. Ok. Trop loin pour tirer sur le reste. Ah non, ça va. Hop. Ta da 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 da. Je sais pas comment le typhon est arrêté de se propager, mais. Hop. Comment un gros poisson est passé par là? Je ne sais pas. Lâche-moi le choix là. Cela fait si longtemps, oui, je suis heureux de voir que tu es sain et sauf. Lâche-moi le marou. En effet, il semble que Ganon soit de retour. À vrai dire, ce n'est pas tout à fait cela. Hein, mais qu'est-ce que donc que quoi? Le jeune garçon que j'ai amené avec moi n'est pas le héros de la légende. Mais j'ai foi en son courage, je crois possible. Impossible. Ah non, c'est les... Non, oui. D'accord, je vais te donner la petite pierre. Regarde. Diling, diling. Et voilà. J'ai foi en son courage. C'est grâce à nous. Papa, 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 vous obtenez la perle de Nairou. Ce joyau divin vous est remis par le Jabou, l'esprit de l'eau. Faut mettre une majuscule, ça. Il n'y a peut-être pas de... Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'accent. Un accent, merde. Mais je comprends pas. C'est donc bien la malédiction d'Aden qui fait tomber ses plus funestes et empêcher le jour de se lever. Ce sinistre individu est sans doute décidé de plonger dans notre monde dans les ténèbres. Je le crois, oui. Tu veux pas nous traduire? On comprend rien. Là, on est comme Link sur le bateau. Là, on est en PLS. Ok. Merci d'être venu. Le pouvoir de la perle de Jabou a enrayé la malédiction de Ganon. Le jour devrait bientôt se lever. Tu as en possession toutes les perles. Es-tu prêt, Link? J'ai indiqué sur ta carte les endroits où tu dois apporter des perles. Quand tu auras apporté une perle sur chacune de ces trois îles, l'endroit où tu devras monter, montrer ton courage, te sera révélé. La retraite de Jabou montre à elle seule que Ganon est bien décidé à nous barrer la route. Nos soucis ne font que commencer, et le plus grand danger nous guette. Pourquoi dit Ganon, c'est Ganondorf? Fais vite ce que tu as fait ici sur l'île de l'Aurore pour ne pas avoir de regrets plus tard. Mais j'ai aucun regret. Pourquoi j'aurais des regrets? Da da da. Hop. Alors je dois partir par là-bas. Donc allons-y. Hop. Et si je peux acheter des trucs à Terry? Ah voilà. Ça serait pas mal. Terry. Bonjour, boutique ambulante. Ta, ta, ta. Oh, je vous attendais. Les pirates ont accepté de me vendre des bombes, ne ratez pas votre chance. Mais à ce propos, la jeune fille qui était avec vous m'a dit qu'elle vous connaissait. J'ai bien votre jeu, hein. Et tu sais, blablabla. Fais miam miam. Que dans nos magasins. À quoi ça sert? Je ne sais pas. Oui, oui, vas-y, vas-y. En plus, on obtiendra le titre de membre d'argent. Et 6 points. Ça vaut pas le coup. Autant acheter des trucs à 10, à 10 rubis. Fais 7 points. Est-ce que je peux acheter des... Ça coûte combien tes bombes là? 60.
Après, ma mère, c'est là-bas, vous permet d'exercer une emprise sur les go et l'an. Sélectionnez sa capa. Ok. Permet d'accélérer le go et l'an et les adhères de lever votre emprise. Ok, je vais peut-être avoir besoin de ça. Les go et l'an, vas-y. Ça fait 9 points. Et on va en faire un dernier. Comme ça, on a les 10 points. C'est trop bon dans le... Ciao. Il y aurait pas les pirates là par hasard? Non. Eh bien, partons. Hop. Tout droit par là-bas. Et la petite île là, c'est par là. Donc allons-y. Et j'aurais bien aimé avoir la... une vente aux enchères, mais pas pour cette fois, je suppose. La prochaine fois qu'on ira à Mercantile. On sera pas loin après. Pour la troisième, là. Je peux pas vous montrer la carte, mais... En gros, y a un endroit où on doit aller, c'est juste une case en dessous de Mercantile. Donc on pourra y aller, peut-être voir pour les enchères. Alors, pas de musique, c'est triste. Au revoir, il. Au revoir, mamie. Mais je vais chercher ma sœur. Tiens bon. C'est pas mal que tu sois encore là quand j'arriverai. Quand je serai de retour. C'est pas celle-là? Si, c'est celle-là. Non, c'est pas cette île. Il y a deux poissons là. Attendez. Hop. On va aller prendre ça. Et où le poisson? Et où la poiscaille là? Allez là. Hop. Viens là. Hop. Hey, salut petit gars. Je t'écoute, blablabla. Déplie ta carte. Qu'est-ce qu'on va avoir ici? Woup, woup. Ah bah vous avez pu le voir du coup. Il y a un poisson. Incroyable. C'est l'île aux poissons. Tu as déjà été emporté par une tornade, petit gars. Cyclos, le dieu du vent, provoque des tornades à la surface des flots. Il est capable de s'en expédier en une seconde, de l'autre bout des mers. Tu pouvais faire la même chose, tu irais bien plus vite qu'avec ton petit bateau. Seulement pour emprunter ce pouvoir à Cyclos, il te faudra une arme qui te permette de tirer à distance. Tu vois de quoi je parle? C'est tout pour les infos. Tu veux, répète, donne-moi encore à manger. Adios. Faut que je puisse tirer avec ça. Qu'est-ce que tu fais? Attends, il y a un milliard de... Attendez. Il y a un milliard de trucs là. La richesse est à nous. Hop. Qu'est-ce donc? Tatata, 50 revues. Chaque. Encore des sous. Bon, on va pas en prendre plus parce qu'après on a plus. Alors c'est pas là qu'il faut que j'aille. Hein. Est-ce que si je vais à la dans la tornade? C'est pas mal la tornade. Cessez d'importuner les dieux, pitoyables astres humains ou les tornades du furieux cyclose vous enverront le bout des mers. Je peux tirer dessus. Envoyez le choupon. Link, qu'est-ce que ça va? Du cyclose semble vraiment être très en colère contre les humains. La méfie-toi des prochaines sur les flots. Nous arrivons à nous servir des tornades, nous pourrons sûrement nous déplacer beaucoup plus vite.
possèdes pas encore d'armes qui te permettent de tirer à distance, mais si tu en trouves une, tu pourras peut-être t'en servir sur Skyblocks. Oh, je suis revenu là, t'es sérieux? Super, mais je pensais que c'était ça mon arme qui tirait à distance. Mais il faut croire que c'est un arc. Tant pis. Et ben on est reparti. Tant pis, tant pis. Et ben on va profiter de la vue. Pimpalin. Il n'y a même pas de musique. Ça arrive petit à petit. On va esquiver les tornades, hein. Hop. Moi, je pensais qu'avec mon canon, ça irait, mais malheureusement, non. Plaf. Plaf. Tornade vient d'apparaître sous nos yeux. On va pas s'arrêter sur l'île, hein. On a pas besoin de sous. Mais faut s'en rappeler, il y a des sous ici. Très bien. Bah du coup, faut croire que c'est le petit chapiteau. On va aller s'arrêter là. Ça se trouve, il y a autre chose. Vous me permettez, hein. C'était un piège. Ah bah ça y est, le jour se lève. La double musique. Ouais, c'était Roi des Ruines, très bien. Barre-toi! Oh, ça lag comme ça. D'un coup. Ah, la musique. Et de retour. Et le soleil se lève. Ta 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 ta. Bah non, c'est pas là. Ah. Alors, si c'est pas là, c'est où? On dirait que c'est un truc de fée, ça, non? Allez, on y va. Hop. Ben, je ne peux pas. Très bien. Super. J'ai posé une perle sur chacun des trois endroits marqués. Oui, mais ça, mais je sais. Pourquoi tu l'appelles Ganon? Il s'appelle Ganondorf, nom de Dieu. Je suppose qu'on peut. Non. Raté. Le nord. C'est le nord. Hop! Normalement, c'est là. Est-ce qu'il y avoir une île là? Quelque part. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'endroit où il y a une île. Ah, si, peut-être là-bas. Voilà. Il y a des. Il y a un terrain miné là. Je peux pas avoir le canon et. Je suppose que c'est cette petite île là. Hop. Ta la 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 la. Allez, zou. Arrête les conneries. Poum, 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 poum.
Hop. Hop. Ouh. Salut. Oh, toi qui as parcouru la mer et la recherche des dieux, dépose-toi ici ta perle. Et ben voilà. Vous avez posé la perle de Narus sur la statue d'argile, il n'y a plus que deux perles. Ouais! Mais monte! Ah, j'ai plus de bombes. Merde. Terry! Terry l'ermite! Toujours pas. Ta-da-da! Est. Pouf. Ta-ta-da-da! Ta-da! Mais non, mais lâchez-moi la grappe, vous. Tintin. Papala. Ok, ça, c'est des mouettes slash goélands. Ah, c'est peut-être eux que je mets les petits fruits là. Ta-ta-ta-da-da! Là, c'est pour des rubis, tout ça. Tous ces rubis perdus. J'aurais pu acheter des bombes. Triste. Il n'y aurait pas le vendeur là. Le petit Terry. S'il te plaît. Pourquoi ça rame là? Va plus vite. Enfin, vivement qu'on ait la voile qui va vite là parce que. Là, on rame du fion quand même. Ta ta la la. Ta 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 la. On s'amuse, hein. On essaie de les prendre, ça sert à rien, mais. Dessous, ça va quoi. Ta ta la. Ta 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 la la. Ta 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 la. Ok. Voilà, on y est. Nous sommes dans la zone. Où se situe-t-elle donc? Vraie question. Peut-être changer la direction. Non, pas ça. Ta da da. Je vais aller au nord du coup. C'est par où? Ah, dégage la tornade là, putain. Ah, là il y a un autre ami Terry. C'est que l'île doit pas être très loin. Ah ben elle est là, voilà. Pourquoi il y a un autre bateau? Tiens, je vais t'acheter des bombes. Toi là. Ta ta ta. Oh, c'est gentil. Ta 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 ta. J'ai trop de sous, donc faut que je dépense. Thank you. Ça c'est pas en fonction des rubis, tu te fais niquer en achetant des bombes qui coûtent plus cher. Hop, tu veux bien dégager, merci. Il y a ça là. Il y a un autre bateau ou... C'est quoi ce bateau là-bas? What the fuck? On ira voir. On va d'abord aller poser notre perle.
Toi qui as parcouru, dépose la perle verte. On va voir la tour des cieux normalement. Il a posé la perle de Pharaoh, plus qu'une perle. Ouh. Attention au départ. Vous êtes qui vous? Salut! Il est chouette ton bateau, dis donc. Toi aussi, tu cherches des trésors enfouis au fond des mers? Ah, tu penses qu'on va te croire? Il y a que les chasseurs de trésors et les pirates pour venir comme nous dans ces mers, il n'y a même pas de poissons. De nos jours, les gens ne quittent plus tellement leurs îles. Ça fait plaisir de voir un petit gars comme toi partir à l'aventure sur les flots. Tu me plais bien, tu sais. Tiens, je vais te faire un cadeau. T'aurais besoin de ça pour trouver ton premier trésor. Prends-la, ça me fait plaisir. Ta 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 ta, une carte au trésor. Les lieux où le point indiqué. Quand tu cherches le trésor, commence blablabla. Carte Wii U, ça oui. Utilise le grappin griffe. Ça, sans ça, c'est compliqué. Ouais, bonne chance à toi, jeune collègue. J'espère que la nôtre sera aussi bonne. Bye. Allez, ciao. Carte de Terry, carte au trésor, carte cachetée. Ah ben on y est, c'est juste là. Hop. Ta-ta-ta. Donc ça ne sont pas indiqués. Ta-d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 a-
Tu nous améliores notre barre de magie, je crois, non? Peut-être pas. Le nombre maximum de bombes que vous pouvez transporter a augmenté. Vous pouvez désormais transporter jusqu'à 60 bombes. Et l'effet de cette ressource variante est bien sûr. Viens quand tu veux user leur, de leurs soins si les combats t'ont fait. Bah merci. Oh la gueule. Elle a peur d'être très contente. Ok, on peut mettre 60 bombes. Ça c'est cool. Oh. Et chacun, voilà, c'est chacune, chaque fée diffère en fonction de ce, de ce qui se passe. Lion rouge, je reviens. Donc il y en a qui nous augmentent notre barre de magie. Je suppose d'autres nos flèches. À peu près tout quoi. Là les bombes. Les bombes pour le coup c'est pas mal. Parce que pour le bateau c'est pas trop. Pas trop dégueulasse. On va retourner à Mercantile. Même s'il faudrait que j'aille plutôt vers la direction là-bas. Pour la quête. On va aller à Mercantile pour dépenser nos rubis. Et essayer de faire une enchère. Je veux ma voile rapide. Mais ce sera pour le prochain épisode. Merci à tous d'avoir suivi ce dernier. Et à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.